Je parle ici au nom de toutes les femmes. Nous avons été au courant de tout ce qui s'est passé à Libreville, Monsieur le Président. Mais nous, les femmes, nous vous disons, Monsieur, levez-vous comme un seul homme. Parce que nous, les femmes, nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Monsieur le Président, le travail s'est fait et ça continuera à se faire. N'ayez pas peur, parce que nous, nous sommes derrière vous et que nous vous disons, Monsieur, tenez fort, car nous ne peut gagner seul. L'union fait la force. Et nous, femmes, nous vous soutiendrons, parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos en disant que nous sommes encore au début. Mais nous voyons déjà ce que vous avez commencé à faire. D'ailleurs, vous voyez comment nous sommes massivement ici. Nous sommes venus vous démontrer l'amour que nous avons pour vous et le soutien que nous avons envers vous. Nous ne sommes plus en campagne. Le parti a un directoire. Mais nous avons proposé des idées. Et certaines idées ont été largement partagées. Je voudrais, par rapport au fait qu'un parti dynamique a besoin de porteurs d'ambition, des gens qui veulent faire, des gens qui se mettent en mouvement pour faire quelque chose. C'est pour cela que nous voudrions quand même, ça c'est à titre personnel que je le dis, sans associer forcément la pensée des autres, nous nous étonnons que certains politiciens retors se mêle du fait que un militant soit en mouvement, continue à dérouler son ambition qui est soutenue par beaucoup de militants du parti. Et je voudrais que cela soit bien clair, qu'il n'y a aucune disposition réglementaire dans le parti qui interdit cela. Donc nous sommes totalement en phase avec les textes du parti, et je voulais le dire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Le président, M. Ngundju, est venu en visite privée. Les militants ont voulu l'associer à ce dîner. Il a été invité. Il est là avec nous. Certainement que lui-même aussi aura un mot à dire à notre adresse. C'est le propos que je voulais tenir. Je vous remercie. Je suis venu à Oyem parce que, comme je l'ai promis au maire Vincent Essonemengue, je lui avais dit que je vous solliciterai toujours lorsque j'aurai besoin de conseils, lorsque j'aurai besoin d'avoir vos avis, parce qu'on a toujours besoin des anciens. Les anciens, ce sont les yeux du passé qui nous ouvrent à nous les plus jeunes, les yeux de devant. C'était important pour moi de revenir le voir aujourd'hui. Ici, chez lui à Oyem, même s'il vient de temps en temps à Libreville, mais on va voir l'ancien chez lui, dans son Ifoussi. C'est toujours pour moi un moment très important. Nous avons échangé et puis, évidemment, je ne pouvais pas repartir sans voir nos compatriotes qui font le parti ici. Nos compatriotes qui sont la sève, le sang du parti ici. C'est-à-dire, c'est grâce à vous que le parti vit ici. Donc, il me fallait effectivement m'arrêter et venir parler avec vous. Nous avons effectivement ce repas qui nous permet d'échanger, qui nous permet de se parler. Tout à l'heure, le sénateur l'a dit aussi, à l'issue du congrès,
du deuxième congrès ordinaire du parti, il y a un nouveau directoire qui a été mis en place, élu par le congrès. En ma qualité de candidat, et parce que j'estime qu'une élection s'est tenue, quel que soit ce qu'on peut en dire, l'élection est terminée. Et comme l'élection est terminée, nous devons donc ouvrir une nouvelle page de la gestion du parti. Et il me fallait aller féliciter le nouveau président après son élection et me mettre à la disposition du parti. Parce qu'un parti, il y a plusieurs tendances. Tous ceux qui viendront vous dire que c'est la pensée unique, on ne pense que selon ce que le président a dit, ou bien on ne pense que selon ce que le leader a dit, dans un parti politique, ça n'existe pas. Même le parti que nous connaissons tous, le parti de la main, là-bas, il y a plusieurs tendances, et vous le savez, n'est-ce pas? Il y a plusieurs tendances, mais on fait en sorte, comme dans tous les partis dignes de ce nom, on fait en sorte que toutes les tendances se mettent ensemble pour travailler pour le parti. C'est ainsi qu'un parti doit se gérer. Il n'est pas question qu'on vienne dans un parti en pensant que c'est nous qui sommes là, vous n'existez plus. Ça n'existe pas dans un parti politique. Et si moi, le 13 novembre, avant le vote, j'ai dit, je sais que si moi je gagne, je travaillerai avec les autres parce qu'il y a des intelligences là-bas, comme il y a aussi des intelligences chez nous. Donc nous mettrons ensemble toutes ces intelligences pour que nous puissions travailler. C'est vrai que il n'y a pas qu'à Oyem, hein? Il n'y a pas que dans le Wolentem. J'ai pas mal de compatriotes, effectivement, qui m'ont appelé ou bien qui sont venus à Libreville, qui ont parlé avec moi, qui se sont plaints d'un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Mais c'est mon rôle de pouvoir leur dire, nous avons un parti politique, nous devons nous battre pour ce parti politique. Mais si nous devons passer notre temps à nous battre dans le parti politique, nous allons tuer ce parti politique. Et moi, je ne suis pas celui qui va tuer ce parti politique. Donc, je voudrais vous dire la chose suivante. Je l'ai entendu de la présidente du parti qui a dit que la décision venait de la base. C'est la base qui doit prendre les décisions, les grandes décisions du parti. Moi, je confirme que c'est la base du parti qui doit prendre les grandes décisions du parti, comme ça l'a été pour le congrès, le dernier congrès. Ça veut dire que nous avons des échéances qui arrivent. Nous avons des échéances qui arrivent. C'est la base qui va dire qui elle veut voir comme candidat du parti pour telle ou telle élection. C'est la base qui doit le dire. Vous devez avoir, chacun de vous, les nouveaux textes du parti, les nouveaux statuts du parti qui ont été adoptés au dernier congrès. Vous devez les avoir pour que vous puissiez voir dans ces statuts que disent les dispositions sur les élections. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le pouvoir est à la base. Et moi, celui qui est ici en face de vous aujourd'hui, j'irai à la base, comme je l'ai dit lors de mon discours de vœux le 31 décembre. J'irai à la base, je parlerai avec la base, je viendrai travailler avec la base pour vous aider dans le travail qui est le vôtre. Parce que si vous m'avez donné des voix lors du dernier congrès, le parti a été divisé en deux. Mais nous sommes un, mais le parti a été divisé en deux. Deux grandes tendances dans le parti. Nous représentons une grande tendance de ce parti, n'est-ce pas? Et nous devons travailler pour que nous soyons reconnus dans ce parti comme étant une tendance, surtout à Oyem, où nous avons la majorité ici à Oyem, n'est-ce pas? Nous avons une grande majorité ici à Oyem, n'est-ce pas? Nous devons être respectés pour cela. Mais nous devons travailler pour le bien du parti,
n'est-ce pas? Et il n'est pas question que qui que ce soit vienne dire « Toi, tu n'es pas du parti, on t'écarte. » Jamais. Jamais. En tout cas, moi qui suis là avec vous, je viendrai vous le dire à chaque fois. Je viendrai vous dire « N'ayons pas peur de faire ce qui est bon pour notre parti, l'Union nationale. » N'ayons pas peur. Donc, je voudrais vous le dire parce que, vous savez, il y a, je parlais des échéances électorales, mais il y a avant les échéances électorales une période d'enrôlement qui va arriver. Je ne sais pas à quel moment, mais nous serons certainement informés par le ministère de l'Intérieur. Et il faut que vous soyez prêts à faire en sorte que les jeunes qui ne sont pas encore dans la liste électorale aillent s'enrôler. Même les autres qui ne sont pas encore dans la liste électorale, qu'ils aillent s'enrôler. Là, l'élection commence là, à l'enrôlement. Si vous n'êtes pas dans la liste électorale, vous ne pouvez pas voter. Oui. Donc ça, ça va bientôt arriver. Et si on vous demande de faire ce travail, il faut aussi qu'on donne les moyens à la base de travailler. Parce que, vous savez, un parti politique, ça doit pouvoir s'entretenir. Ça doit pouvoir s'entretenir, n'est-ce pas? Il faut que nous puissions nous donner les moyens de notre politique. C'est vrai que nous ne sommes pas le pouvoir. Eux, là-bas, ils ont tout pour effectivement bouffer dans les caisses de l'État et puis voler pour que le minimum ne se fasse pas dans le pays. Nous, on le fait avec notre propre énergie. Tous autant que nous sommes, nous devons nous préparer pour les prochaines élections. S'il y a des candidats parmi vous, ils doivent se préparer. S'il y a des candidats pour les locales, ils doivent se préparer dans leur quartier ou bien dans leur village, ils doivent se préparer s'ils veulent être dans la liste des locales. S'il y a quelqu'un qui veut être député, il doit se préparer lui-même dans sa circonscription parce que il n'y a que le terrain qui dira la vérité, qui est fort et qui est capable. Sans le terrain, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc c'est pour ça que moi, je vous encourage à travailler. Je vous encourage à travailler dans notre parti.